Bonjour les fines bouches. Aujourd'hui, on va faire un petit tour sur les côtes. On va aller pêcher un petit peu le maquereau. Et quand on en aura pris deux beaux comme ces deux-là, on va les faire mariner au vin blanc. Alors, il y a deux façons de le faire. Il y a la façon cuit, mariné. Moi, je vais le faire pas cuit, mi-cuit, à peine cuit, un peu échaudé, mais beaucoup de temps. Donc, pour réaliser des maquereaux marinés au vin blanc, il nous faut, bon, évidemment, du maquereau. Il faut une garniture assez importante pour faire la marinade. Donc, oignon rouge, échalote, bouquet garni d'un laurier, carotte, céleri branche, poivre en grain noir et clou de girofle. Ensuite, il nous faut de l'huile d'olive, du vin blanc et du vinaigre blanc. Pour commencer, on va émincer nos échalotes et notre oignon. Et on va ciseler en rondelles la carotte et le céleri, pareil, en petits tronçons. Je fais tout ça et on se retrouve tout de suite. Voilà, j'ai donc taillé tous mes légumes, excepté le citron. Le citron, on le garde pour tout à l'heure. Je vais mettre tous ces légumes dans une casserole. Je trouve que c'est assez joli en couleur. C'est un plat joyeux. C'est vrai que grâce au maquereau, souvent, on est joyeux. Je prends mon vinaigre, je le mets dedans. Le vin blanc. Le bouquet garni, thym, laurier. Mes grains de poivre et mes deux clous de girofle. J'allume, feu doux, 25 minutes. Pendant ce temps-là, je vais prendre mes maquereaux, je vais leur couper la tête et je vais les évider. Et on se revoit dans 25 minutes lorsque la marinade aura eu le temps de cuire et de s'imbiber un petit peu. A tout à l'heure les amis. La marinade est en train de cuire depuis 25 minutes. Je prends mon huile d'olive que je verse dedans. J'arrête le feu. Je prends mon citron. J'en coupe deux tranches. 1,5 cm que je viens mettre au fond de mon plat dans lequel j'ai des maquereaux. Alors vous voyez, je coupe le petit bout de la queue parce que bah, ça ne se consomme pas et ça permet de mieux rentrer. Ils sont évidés. Juste là, on a retiré la petite peau grise, vous voyez, c'est bien rose. On met un petit peu de sel à l'intérieur. On prend le jus de marinade et on le verse dessus. Ce qui fait que ça va faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une semi-cuisson. On étale bien là, comme ça. Si vous avez un plat avec un couvercle hermétique, vous le mettez tout de suite. Sinon, vous mettez un papier d'alu en attendant que ça refroidisse et après vous mettez un film. Mettez pas un film tout de suite, ça va cramer. Fais ça. D'accord. Là, on n'y touche plus. 24 heures de frigo. Minimum. Plus vous le laissez au frigo, plus ça sera délicieux et plus le maquereau sera tendre et moelleux. Gilbert, arrête, c'est que une journée, 24 heures. Je serai là demain. Alors à demain, Gilbert. À demain, chers amis. Enfin, en ce qui nous concerne, à tout de suite. Ça fait 24 heures. Donc on va ouvrir. J'ai pas ouvert. On va voir ce que ça donne. Hop là.
une couleur rose. Je vais en sortir un. Ici. Et je pense que naturellement, je devrais lever le filet. Oula, ça se découpe tout seul. Il y a quelques petites arêtes, mais appétissant. Je vais donc prendre ce filet, le poser sur mon assiette de dressage, y mettre à côté des petites garnitures, toutes colorées. Vous vous souvenez, hier c'était beau, c'était plein de belles couleurs. Je vous dis pas que si j'étais pas en train d'être filmé, je prendrais mes doigts. Mais bon, on essaye de se tenir. Là, le citron. Il y a une rondelle ici. J'en avais prévu là, mais je vais la mettre. Parce que je suis sûr qu'elle est plus parfumée. Puis, on va l'arroser un petit peu comme ça. On va mettre un petit peu de persil. Moi, ça me semble pas mal. Voilà les amis, filet de maquereau au vin blanc. J'adore les couleurs. J'adore les odeurs. Je suis très impatient d'en découvrir la saveur. Mais j'ai l'impression que je vais être agréablement surpris. Moi qui déguste rarement les plats, là j'ai envie. Je vous le dis clairement, j'ai envie. Donc, je vous laisse parce que je vais prendre ma fourchette, je vais prendre mon couteau et je vais me souhaiter un bon appétit. À très vite. Alors, tout se passe bien ?